Bon bah il y a un camion les gars. C'est comme ça, c'est la vie. Ta-da ! Oh les gars, pour commencer une nouvelle vidéo. Bonjour. Du coup, aujourd'hui, nous allons tester des expériences TikTok. Des trucs que vous savez, vous regardez, vous faites... Ah, c'est fake. Ça marchera pas. Et nous, du coup, on va tester 5 astuces. Enfin, astuces, 5 expériences. Et on va voir si ça marche ou pas pour aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est possible que tout soit décevant. Faut le savoir avant le début. Voilà. Nous, on sait pas, mais on démantèle le truc. Mais tant qu'on n'a pas essayé, ça peut pas être ni vrai ni faux. Et attention, on a pris les lunettes de sécurité pour les expériences. Alicia va commencer. C'est moi qui vais commencer. Et du coup, on mettra, je sais pas, là ou je sais pas là, une vidéo de ce qu'on a trouvé sur TikTok. Qu'est censé être l'astuce. Du coup, la première expérience, c'est mettre du citron sur un glaçon et c'est censé faire comme de la buée, enfin, comme si tu fumais en fait. Du coup, j'ai peur. J'y crois pas trop. En vrai, si ça fait de la fumée, c'est incroyable. Si ça va. Il y en a des, ils ont essayé, ça a marché, et d'autres, ben ça n'a pas marché. Du coup, ben, tu as besoin juste d'un citron et d'un glaçon. J'ai trop peur. J'ai peur que ça soit pas bon. Au pire, j'ai la tasse et je crache dedans. Au pire, tu craches dans la tasse, ouais. En vrai, je pense pas que ça va marcher, mais. Ça me stresse de mettre un. De devoir mettre un citron avec un glaçon. Oh il se masque dalle. Bon bah t'as mangé un glaçon citronné. Mais je veux que ça marche. Est-ce que tu veux un autre glaçon plus frais? En vrai je sais pas, il faut faire un trou dedans. Mais je sais pas, parce que là il y avait un petit truc et il y avait un trou. Mais pourquoi ça marche? Ouais, on essaie. On va chercher avec un glaçon du frigo. En vrai c'est pas dégueu un citron avec du... Un citron avec un glaçon parce qu'on sent pas le goût du citron. Vapoteuse et triche, hein. Bon bah c'est un fail. C'est un fail. Pour nous en tout cas. Mais c'est bon. C'est bon. Du coup si vous avez trop chaud, bon on arrive sur l'hiver où on est donc voilà mais. Ah je suis déçue, maintenant je vais avoir de la fumée qui sort de ma bouche et il n'y a rien eu. J'avoue j'attendais la fumée aussi. Par contre j'en me suis mis partout. J'ai du citron partout. Bon bah next expérience qui sera un homme. Il faut déjà mouiller, on a oublié de l'eau. Bah au pire tu prends l'eau dans la bouteille. Ou mouiller. Prends peut-être la bassine parce que si ça... Allez. Il faut mouiller une... Je sais pas, un linge ou une pâte. Il faut mettre du savon. Et après il faut souffler dedans et c'est censé faire... Ok, alors je vais mettre... Bah, de la mousse en fait. Les lunettes ça. Incroyable, ils sont 12 fois trop grands pour ma tête. C'est très sale. Toujours. Là c'est humide au milieu. Je mets du savon. Je crois que... Mais je sais pas s'il faut frotter. Ils disent pas, ils mettent juste le savon et après ils font... Et peut-être il fait du côté où il... Ouais. Je suis censée souffler et ça fait de la mousse qui sort. C'est parti. Oh, oh ça marche. Terrible. Par contre on voit pas trop parce que c'est en train de tomber. Voilà. Un peu et puis je te... C'est terrible! Incroyable! Ça marche! Attends. Oh putain! C'est terrible! Ça sert à rien mais c'est hyper marrant! Je t'enverrai du coup. C'est terrible! Bon bah faut aller rincer tout ça parce qu'on va avoir besoin. Et bah ça c'est validé. Je laisse Alicia installer la prochaine et. Bah je sais pas le prochain. Next! Ah oui, moi je vais faire l'œuf. En fait, la prochaine c'est faire chauffer un œuf jusqu'à ce qu'il devienne noir. Et normalement, il est censé. Là. Ah, merci. Il est censé devenir transparent quand on le met dans l'eau. Alors je veux savoir si c'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit que ça risque de prendre un certain temps. One eternity later. J'ai tellement peur qu'il pète d'un coup. Bon pire. Bon oseille. Oh
totalement. Tourne un peu l'œuf avec ton doigt. Oh bah merde alors. Ça marche que dans l'eau. Alors, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais on voit effectivement un peu. Oh, c'est très bizarre. Ah, je sais pas, ça doit être une illusion d'optique, je pense. Parce que si tu regardes. Oh, c'est bizarre, on dirait qu'il me tourne. En fait, je pense que c'est un effet d'optique. On dirait que. Oh, ah, tes doigts! Putain, grâce à. En fait, le fait d'avoir mis du noir et le reflet, ça fait comme s'il était transparent, alors qu'en fait, il est pas du tout transparent. Non, je crois pas qu'il est transparent. Bon bah c'est terrible. Je sais pas si je vais reprendre l'œuf, hein, je vais voir. Encore pas ce soir, hein, mais. Alors pour cette expérience là, il faut. Un briquet. Non, il faut faire prendre feu la fumée. Ah, tu veux essayer avec le briquet? Ok, ça marche. Oui. Ah, tu veux que j'essaye avec. Oh non, c'est égal, le briquet ça marche pas. Attends, alors. Expérience numéro 3. Allumé. Je souffle. Alors du coup l'expérience consiste à... On sera en fumée entre l'œuf et ça, les gars ça sent tout. Et le but c'est qu'en fait on brûle la fumée de la bougie, ce qui rallume la mèche, ça revient en arrière. Ah ça a marché une fois. Je suis pas assez rapide. Mais je veux pas être trop près moi, il y en a des font depuis haut puis ça fait... Peut-être c'est parce que la bougie est petite, elle fait pas un... Je ça. Mange la fumée les gars. Bref, je suis contente parce que du coup c'est un réussi. C'est la idée. Ça, c'est un semi-réussi. Prochaine, Noam. En fait, il faut mettre du papier et normalement, quand tu retournes, c'est censé boucher et l'eau ne sort pas. Je dois tenir comme ça, avec mon papier. Essaye. On va mettre les lunettes parce que là, il y a de l'eau quand même, on a joué avec le feu, faut pas déconner. Et que la boussure. Mais j'y crois pas du tout. Il faut essayer, mais après ils arrivent à enlever le papier autour et du coup il reste juste une petite membrane dessus. Voilà. Ouais, bon, en fait, faut vraiment le tenir jusqu'à ce que le papier monte très haut et après je crois que tu peux l'enlever. Bon, j'ai été de mauvaise langue. On va essayer avec un papier plus épais. Du papier douceur. Sopalin, crème. Sopalin, ah bon, sopalin. On dit papier ménage, ok. Mais après, c'est mignon du sopalin. Je mets dessus. Je tiens. Comme ça. Je retourne. Ça ne coule pas. Normalement, c'est censé tenir, mais je pense qu'il faut vraiment attendre que le papier soit bien imbibé. Puis. C'est de... Non, ça va. Ça va pas tenir. Hein. Ça peut-être marche mieux avec le truc. Oh! Essaye. Essaye. Oh, oh, oh. Des non, des ça marche. Incroyable. Si vous n'avez pas de bouchon, les gars, me faites-vous pas chier. On va te faire des toilettes. Enfin, du papier, genre. Incroyable. Incroyable. Par contre, je me pose une question. Est-ce que là, si je le retourne, et que je le re-retourne. Ah putain, mais ça marche, tu vois. Mais c'est tellement efficace. C'est terrible. Bon là, ça coule un peu, mais c'est incroyable. Ça coule, mais ça... moi parce qu'il a bougé, mais ça marche. C'est validé. Bon, je sais pas combien de temps ça tient. Non, je pense pas que si tu fais ça, ça va marcher, parce que du coup, tu l'as déplacé. Oui. On va essayer. Ah bah oui, mais ça écoute, marche. Mais écoute, un papier mouillé, bah en fait, c'est complètement fait pour boucher des bouteilles. On vous a pas dit, vous? Des bouchons? En fait, ma maman met ça dans, ma, dans mon sac ou je ne sais quoi pour... Putain que... Ah bon, je suis trop mousse. Ah, une limite quand même. En vrai, ouais, ça marche. Je n'y croyais pas du tout. J'avais mis zéro espoir pour ça. Mais ça marche. Et c'est ouais, ça marche. Je sais pas non plus à quoi ça peut vous servir dans la vie, honnêtement, mais... Par contre, je crois qu'il faut mettre de l'eau froide. Pour les petits poissons? Oui. On va faire la dernière expérience ensemble. Et pour la dernière expérience, je vais vous rapprocher parce que sinon c'est pas très oui. Cool. Ah voilà, maintenant je vais pas y aller. Je disais, la dernière expérience en fait, il faut prendre un feu de Rendez-Libile de cette marque.
et une cuillère. Et en fait, sur le dos de la cuillère, il faut dessiner un poisson. Et normalement, quand on va mettre la cuillère dans l'eau, le poisson, il va se détacher. Du coup, je sais pas si on avait eu quelque chose. Oui, c'est peut-être fini. Oui, c'est oui, tout. Voilà. Et du coup, bah, on va chacun faire un poisson, puis on verra bah, si ça marche ou pas. Et puis, bah, au pire, bah, y aura un poisson sur une cuillère. Alors déjà, faut faire un poisson. On s'applique tellement à faire un poisson. Je vois pas tout où tu vas. Le problème, c'est que je sais pas s'il faut mettre dans de l'eau froide ou dans de l'eau chaude. Alors au pire, on essaye dans de l'eau froide, et puis si ça marche pas, on essayera dans de l'eau chaude. Et si ça marche pas, on a une cuillère avec un poisson. Bah, du coup, bah, on aura une cuillère avec un poisson. Bon bah on a un poisson. Oui alors bon on a un poisson, on va se calmer hein. C'est un poisson comme voilà. On va mettre un juste la queue. Voilà. Ok. Bon voilà. On si essaye. Ça marche, c'est trop bien. Oui. Oh non. Oh il se passe rien du tout. Oh non. Ah il est tombé. Après je sais pas, il y a quand même du savon dans l'eau. Le poisson il est en train de se détériorer chez toi. En vrai, on peut essayer avec de l'eau chaude au pire. Oh, moi aussi, ce détailleur. Je vais faire un petit poisson. Tout mignon. Même, on va lui donner un prénom. Comment on appelle le poisson sur la cuillère? Oh, bah, moi, ça veut pas partir. Hein. Bah, moi, j'ai perdu mon cuillère, je crois. On l'appelle Poissy. Poissy! Je vais pas à remplir, je vais le laisser comme ça. Je tente Poissy pendant qu'Alicia dessine. On y croit, on est avec toi. Alicia ? Poissy, il est mort ! Mais ça marche ! On est arrivé ! Poissy, il est mort. On va y arriver. Eh. Ça, c'est Poissy 2. Poissy 2. Mais avant, ça a marché. Pourquoi? De l'eau plus chaude encore. One eternity later. Bon. Pas de poisson. Tant pis. Nous, nos poissons, ils sont... C'est des têtards. Des têtards. Mais ils n'existent même pas, les poissons. Ils se sont désintégrés. Ouais, je sais pas. On a de l'eau corrosive, mais ça fait un échec. Terrible. Pour ces expériences incroyables. Oui. Sur ça, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est important et ça nous fait beaucoup plaisir. Ça ne veut rien dire, mais vous avez compris. Il y a notre Instagram qui apparaîtra quelque part par ici. On a notre chaîne TikTok aussi qui sera dans la description. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous voulez qu'on essaye d'autres astuces. Ou si vous avez vu des astuces et vous voulez voir si ça fonctionne ou pas. Parce que ben voilà, bon, celle-ci n'est pas non plus validé à 100% parce que je pense qu'il y a moyen, mais non. En tout cas, nous, on s'est bien amusé et c'est là qu'on voit que les réseaux sociaux, eh ben, ça fait croire ce que ça veut, mais le glaçon fumé, ça marche pas. Ça marche pas. C'est triste. Mais bon. Du coup, bah voilà, j'ai tout dit. Et merci beaucoup. Et puis, on se retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Bye bye. À bientôt.